Bienvenue à Bricolons à la maison avec Manon, émission de rêve où on fait toutes sortes de beaux projets, Manon Brassard et moi. Bonjour Manon. Bonjour Vanessa. Aujourd'hui, un épisode gourmand. On va cuisiner ensemble. Oui. On va montrer aux gens aussi à offrir un cadeau qui vont les faire cuisiner en fait. Exactement. C'est plus un clé en main encore une fois. Puis, l'idée m'est venue, durant la pandémie, là, ce qui était intéressant, c'est qu'on ne pouvait pas faire absolument rien avec soit des étudiants au cégep, des activités scolaires, tout ça. Fait que j'ai décidé de prendre mon mélange de biscuits d'antan que je fais depuis le début de mon entreprise, puis le transformer en fabrique en pot. Mm-hmm. Fait que, comme tu peux voir là, sur la table, là, on voit les pots maçons. C'est sûr que moi, j'étais co-responsable. Alors, c'est sûr et certain que je vais prendre les pots maçons qu'on va pouvoir réutiliser. Même les tissus qui sont recyclés aussi. Fait que j'ai pris encore des produits de chez nous. Tu sais, je suis toujours à l'affût de nos bons produits de notre secteur. Fait que vous avez un produit là, qui est vraiment pratiquement au complet, 100% là, de chez nous. Alors, j'ai monté des kits parce que c'est les étudiants de cégep de Saint-Félicien ont fait une activité. Hein, puis, ils ne pouvaient pas la faire ensemble. Fait qu'ils m'avaient invité à faire un atelier de cuisine. Puis, alors, est venu la fameuse fabrique en pot, là, oui. Ici. Là. Fait que c'est un clé en main. Fait que ce qu'on a fait, les gens ont tous reçu une fabrique en pot comme ça pour faire un brownies en pot et un mélange à biscuits d'antan. Fait que vous avez tout ce qu'il vous faut. Regarde, Vanessa, ici, là, tu as des petits sacs là, à l'intérieur. Bien, contient tous les ingrédients ici là, qu'on voit là, pour le brownies. Et pour le mélange de biscuits d'antan. Fait que tout est là, même pour faire la décoration de ton pot. Fait que c'est de A à Z là, qu'on a ce qu'il faut. On a même les instructions pour suivre le montage des pots, des petites recettes. Donc, c'est super agréable. On se procure ce kit-là à ton entreprise. Et après ça, à la maison, bien là, on s'amuse. Ça peut être fait avec les enfants. Oui, exactement. On peut le faire en atelier. Exemple, dans un festival avec des jeunes, là, mettons un festival d'hiver ou des choses comme ça pour faire des ateliers. Fait que c'est bien pratique parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Tout à fait. Donc, ensuite, après, ben c'est ça. Vous pouvez soit d'abord le mettre un petit peu en décoration quelque temps sur une tablette parce que c'est magnifique. Et ensuite, en deuxième lieu, l'offrir à quelqu'un qui pourra le cuisiner rendu chez lui. Oui, exactement. La recette est incluse. Donc, c'est super simple. On a quelques petits ingrédients à rajouter pour en faire soit un brownies ou des biscuits. Qu'on va voir. Et qu'on va voir. Qu'on va pouvoir manger. Et qu'on va pouvoir manger. C'est beau la vie. Donc, Manon, en plus, c'est super adaptable, encore une fois. C'est toujours dans nos idées de pouvoir décorer de manière versatile. Donc, c'est-à-dire l'offrir à Noël, ça peut être offert pour un anniversaire, oui. Dans toutes sortes de contextes. Et même pour Pâques, pourquoi pas, Pâques, la fête exactement. Du chocolat. Exactement. Puis, ce qu'on va faire, là, durant l'émission, là, on n'a rien ici, mais on va l'emballer, on va aller chercher, exemple, cette boîte-là, qu'on va l'emballer. Puis, on va emballer aussi des produits finis qu'on va avoir ensuite, une fois que le montage est fait, mettons, à la maison avec les enfants. Bien, on va pouvoir le cuisiner et ensuite le redonner en cadeau. Voilà. Fait qu'on va faire des petits emballages éco-responsables là, avec du tissu, des choses comme ça. Donc, on va bien s'amuser. On va être dans nos valeurs de produits locaux, de respect oui, de l'environnement. Ça, aussi de réutiliser des choses. Exactement. Donc, c'est parti vers la table du collage. Alors, on est
de retour à la table de bricolage, cette fois-ci pour faire un peu à manger, en fait. Parce que comme on l'expliquait dans notre introduction, on va venir faire la fabrique en pot, qui est une de tes inventions, qu'on peut se procurer chez toi. Et sinon, si vous êtes trop loin de chez Manon, ou que vous ne pouvez pas le procurer, vous pouvez vous le faire vous-même aussi, je pense. Pas de problème. Puis, tu sais, l'art à la cuisine, c'est comme l'art à la déco. Hein? Oui. Fait que c'est pour ça que je trouve que la fabrique en pot, ça devient un art culinaire parce qu'on a plein d'étapes qu'on voit. Tu sais, fait que je trouve qu'au niveau visuel, c'est vraiment beau. Ça va être très joli, effectivement. Ouais. Et là, vous aurez remarqué qu'on a un décor un peu inspiré de Pâques. Hein? Oui. On y est allé un peu dans le décor pascal. Fait qu'on parce qu'on va s'amuser, en fait, à décorer notre résultat sous le thème de Pâques pour offrir peut-être à nos enfants, petits-enfants, filleuls, et même pas juste aux enfants, aux adultes aussi. Et d'ailleurs, c'est ça, ça nous envoie vers notre citation d'aujourd'hui. Tu peux nous la lire, Manon, okay. Si tu veux. Le bonheur est un rêve d'enfant réalisé à l'âge adulte. Exactement. C'est donc ce que tu vas faire, Vanessa. Bien, je vais comme un peu réaliser mon petit rêve d'enfant. En fait, faire cette émission-là avec toi, tu le sais, c'est un de mes rêves. Hein? Je te l'ai déjà dit. C'est fait vrai. Que c'est important d'avoir des rêves encore à l'âge adulte et de continuer à s'amuser. Et ça va être très festif qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On a toujours un cœur d'enfant. Voilà. Toujours. Ça reste. Alors, je vais ouvrir ma fabrique en pot. Alors, on retrouve à l'intérieur le petit livret comme ça qui nous explique quoi faire. Exactement. Tout ça. Puis la provenance de nos produits, puis je vais pouvoir en parler ici. Exact. Nos pots. Oui. Toi, tu vas faire le brownies en pot, choco-pair. Puis moi, je vais faire mon mélange de chocolat, mon mélange de biscuits au chocolat. De biscuits. Fait que là, on a les deux là, dans la fabrique, dans le fond. Est-ce qu'on a chacun notre... Chacun notre kit. Hein? Merveilleux. Mm-hmm. Alors, on peut l'ouvrir? Oui! On dirait qu'on ouvre un petit cadeau. Oui, on dirait qu'on ouvre un cadeau. Mm. Puis, tout ce qu'on vient d'enlever, là, après notre sac brun, bien, on va tout le récupérer aussi pour faire notre décoration à la fin sur notre pot. Alors, quand on dit que c'est clé en main, là, c'est que tout est inclus. Exactement. À l'intérieur. Parfait. Bon, fait que ce qu'on va faire, là, en premier, j'ai mis... C'est sûr que c'est pas écolo beaucoup, mais on n'a pas le choix. Il fallait que je sépare mes quantités de ma recette. Fait que là, on va commencer par la première chose. Toi, tu mets... Si tu regardes, tu as déjà ton... ma farine. Ta farine, fait que tu vas mettre ta farine. J'ai mis des sacs un peu plus longs pour pouvoir aller introduire mon sac jusqu'au fond. Parce qu'on ne veut pas faire de petites poussières tout le tour en montant. OK. À l'intérieur, parce que tu sais, de la farine, c'est volatile. Puis oui. ça vient s'attacher aux parois là, à l'intérieur du... On n'aurait pas un beau résultat étagé. Exactement. Ça, c'est une farine d'ici, là. Oui. Les farines là, que j'utilise viennent du moulin Accoutu de la Dorée. OK. C'est un moulin qui fait des farines sans gluten bio. Wow! Puis les graminées, puis le blé, l'avoine, ça vient tout de nos champs. Ça vient vraiment de notre agriculture du secteur. Alors, en plus, ce qui est le fun, c'est qu'ici, on a une farine, qui vient d'ici, comme on vient de le dire, de la Dorée, mais qui mélange aussi différents types de farine. Ensemble pour faire une farine tout usage. Fait que tu as dedans la farine de gourgane, farine de millet et farine d'avoine. Ah, donc, c'est nutritif. Oui, nutritif et sans gluten. Et sans gluten. Ça, c'est très important. Fait que là, je vais te regarder faire en premier. Ouais, fait que là, ce qu'on fait... On va prendre notre sac qui est long. Uh-huh. Fait que là, on va l'introduire puis on va aller le déposer au fond complètement. Tout au fond. Puis, tranquillement, tu vas faire descendre ta farine, comme ça, tranquillement, au fond. Puis, toujours en levant ton sac bien délicatement. Ça fait comme un genre de petit tunnel. OK. Hein? Ouais, ouais, ouais. Comme ça. Fait que ça. Fait que tu vois, et voilà. Ça, c'est fait. Puis là, ça nous empêche vraiment, justement, comme tu disais tantôt, que la farine se dépose. Oui, se dépose tranquillement, là, au fond. Puis regarde, vois-tu, la paroi, elle reste bien belle, tout. Oh. Bon. Fait que là, tu peux quand même faire ça un petit peu pour ajuster ton... que ta farine soit égale. Et voilà, une première étape. Ça part bien. Ça part bien, hein? Donc là, tu vas y aller avec le cacao. Le cacao, ici. Ouais. On va avoir un beau contraste de couleurs.
Exact. Je suis contente. Oui, c'est quand même bien. Regardez ça, j'ai réussi mes étages. Quand même, je trouve, bon. Et voilà. Ce n'est pas parfait, mais ça fait très beau quand même. Oui. Mais quelqu'un qui est à la maison, il peut prendre les recettes qu'il aime, tu sais, qu'ils font, là, soit une recette là, que, de gâteau ou quoi que ce soit, puis ils peuvent faire la même chose. Tout à fait. On fait juste omettre tout ce qui est liquide, là. Exactement. Beurre, lait, œufs, etc. On l'écrit dans la petite recette qu'on offre. Puis, C'est ça. Puis c'est des beaux petits cadeaux à offrir. Si on a une personne dans notre entourage, justement, là, qui est allergique au gluten ou quoi que ce soit, on peut personnifier au bout. Oui, parce que celui-là, il est vraiment sans gluten. Ouais. Ça, c'est cool. Fait que là, tu as pris une petite corde, ouais, qui la corde avec laquelle notre paquet a été fermé. Exactement. Puis après ça, là, on va. Tu vas le tourner, puis après ça, tu vas faire ton nœud que je t'ai montré deux fois. Tu tournes deux fois. Là, tu vas tourner une fois, puis tu vas tourner une deuxième fois, une autre fois. Tourne une autre fois. Ouais. Comme ça. Exactement. Ouais. Super. Bon, fait que là, tu vois, ta tension, elle reste là. Super. Ce que tu peux faire, tu peux aller mettre un petit morceau de colle. Ouais, un petit peu de colle pour plus qu'il bouge. Un petit peu. Parfait. Aussi. Tant qu'à avoir le. On peut le faire, mais c'est pas obligatoire. C'est parce que là, on l'avait on sous la main. On est perfectionniste. Ouais, exactement. On vêtu. Bon, ensuite, après ça, on met notre petite recette. Il fait un petit nœud. Ensuite, moi, je vais mettre. Tu sais, moi, regarde, j'avais ce petit ruban-là. Puis après ça, j'ai un petit miam. Mm-hmm. Je vais probablement mettre mon ruban avant. Mais tu sais, si, mettons, vous, à la maison, vous avez d'autres beaux rubans, puis, tu sais, vous pouvez le personnaliser aussi à partir de ce que vous avez à la maison. Fait que voilà. Fait que là, tu vois, fait que là, tu peux le laisser comme ça. Fait que là, moi, c'est fait. Tiens. Et voilà. Ah, wow! Si tu trouves que ton ruban est trop long ou ta corde est trop longue, tu peux l'en couper un petit peu. Tu peux effilocher. Tu sais, regarde, comme moi, là, je voulais faire ça un petit peu plus brut, vu qu'on travaille avec du cacao. Puis ça, moi, j'y allais thématique un peu. Tu peux le. T'es venu effilocher un peu le bout de ta corde. Ouais. Si tu veux, tu peux prendre. Les ciseaux, tu les coupes et tu mets. Puis après ouais, ça, bien ça, ici, bien ça, écoute, c'est fait avec amour, c'est sûr. Bien, tu peux mettre ça sur le dessus. Un petit collant, fait à la main. Fait à la main avec amour, on le met là. Ouais, ben, exactement. Tu le mets à ton goût à toi. Et voilà. Fait que tu vois, ça, c'est notre partie qui est très, très facile. Fait que là, tu peux le remettre soit dans ton sac ou bien on l'avait aussi dans une boîte là, aussi, là, la fabrique en pot. On peut décorer notre, probablement, c'est ce qu'on va faire, on va décorer notre boîte. Oui, parce que là aussi, quand on offre ça, ben le but, c'est d'en faire une recette. Et là, on a des exemples ici que tu nous as cuisinés, oui, Manon. Exactement. On a les biscuits de Pâques avec les petites Smarties. Puis le brownies aussi qui est juste là. Et ça aussi, on peut les mettre dans une boîte pour les offrir et s'amuser à emballer ça de différentes façons. Mmh. Et on va s'installer une table pour vous montrer comment on a envie de les emballer. Vous allez voir. Alors, la belle fabrique en pot qu'on vient de faire, on a envie aussi de l'emballer. Et on avait des suggestions là, à faire aux gens pour pouvoir l'offrir. Parce que là, nous autres, on l'avait dans un sac en papier tantôt. Oui. Mais tu l'offres aussi en coffret comme ça. C'est ce que moi, je vais emballer. Puis, toi, de ton côté, tu vas emballer le résultat de tes gourmandises. De mes gourmandises. Dans une petite boîte comme ça. Et là, tu avais une manière vraiment magnifique et avec des belles valeurs écologiques d'emballer le tout. Exactement. J'ai une amie qui m'a donné un drap comme ça ici. Puis, qui avait des taches, tout ça. Puis, tu sais, qui avait jauni. Puis, je trouvais que ça faisait beau. Ouais. Fait que niveau écologique, ben c'est ça. J'ai récupéré ces draps-là. Fait que ce qui est original, vu qu'il est blanc, nous autres, on peut y donner l'originalité qu'on veut, la personnalité qu'on veut de notre morceau de tissu. Fait que ce qu'on va faire, moi, j'avais plusieurs étampes à la maison. Là, vous en avez peut-être aussi avec les enfants ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas d'étampes, ben vous pouvez utiliser aussi des petites.
peinture écologique. Puis après ça, récupérer nos vieilles brosses à dents. Puis après ça, avec le tissu comme ça ici, bien là, je peux prendre ma peinture, en mettre sur ma brosse à dents, puis ensuite faire d'aller d'un côté à l'autre de mon tissu. Puis regardez, ça donne une idée. Wow. Ça vous donne une idée avec la brosse à dents, un motif. Ça fait vraiment, tu sais, différent. Je pourrais mettre plein d'autres couleurs, selon la couleur, si on met un petit ruban ou quoi que ce soit. Fait qu'on peut choisir la couleur qu'on veut, puis la thématique aussi encore. Oui. Tout dépendant dans quel temps qu'on est durant l'année, puis quand on donne notre cadeau. Là, c'est ça. Nous autres, on y est allé vraiment sur Pâques, mais ça pourrait être absolument n'importe quoi, dépendamment les étampes que vous avez ou l'inspiration que vous avez, la peinture, les couleurs. Puis là, tu m'as sorti aussi des beaux petits rubans avec des lapins, avec des cocos. Donc, je vais m'amuser. Là, on a déjà découpé, là, on a mesuré, on a découpé la forme qu'il nous fallait. Oui, ça, je l'ai fait d'avance. Puis on va s'amuser à faire des petits motifs comme ça pour aller décorer. Exactement. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Nouvelles du Haut du Lac. Cet été, la télé du Haut-du-Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Gérardville et, en passant par Debout-Mistassini, bien évidemment. Touristes gourmands, hébergements, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve, embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée. Il faut commencer toujours par les étampes les plus grosses. OK. Puis après ça, tu vas aller agrémenter avec des plus petites par-dessus, superposées. Oui, bien là, je trouvais que ça, c'était beau. Puis je m'étais dit que je pourrais faire peut-être des petites fleurs, des petites fleurs comme ça dans le rouge avec. OK. Fait que j'irais peut-être avec celle-là en premier. Mm-hmm. Là, le vert foncé, c'est lui? C'est lui, oui. Fait que là, j'y vais, je pèse pas trop fort. Moi, ce que je te suggérerais avant... Tu dis, garde, pèse pas trop fort. Fait que là, regarde, tu vois, moi, j'avais fait des essais. Là, j'en avais plein. Fait que là, tu vas aller faire un essai ici pour te donner une idée, pour te guider aussi si tu fais, si tu vas y aller. Tu vois, tu n'as pas assez mis. Fait que là, tu vas peser plusieurs fois, deux, trois fois, comme ça. Regarde ton étampe, tu vas voir si tu as de l'encre après. Tu vois, regarde, là, tu en as. Fait que là, tu vas aller étamper comme ça, tu vas voir. Tiens, regarde. OK, très beau. Fait que là, à chaque fois que tu vas faire... Tu vas faire ton motif, il faut absolument que tu viennes tremper puis tu regardes si tu as beaucoup d'encre. C'est bon. Fait que là, je tu pourrais peut-être partir d'en haut en allant à bas. Ça va être plus facile de faire ta ligne. Je pensais peut-être faire comme OK, parfait. Tu ne fais pas une ligne, parfait. J'essaie quelque chose. C'est bien ça. L'imagination, la créativité, c'est important. Fait que là, tu attends un peu pour que l'encre entre dans le tissu. OK. Et voilà. Ah! C'est bien, hein? C'est cute! Toi, tu fais quoi? Bon, fait que là, toi, tu continues tes motifs. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais vous faire le baluchon qu'il y a ici. Ah, wow! Vois-tu? Souvent, là, on a souvent des... le temps des fêtes, surtout, on a beaucoup de produits, souvent des cadeaux qu'on reçoit dans des petits emballages, tu sais, vraiment de Noël, hein, tu sais, des emballages, des boîtes, même cadeaux. Les fameuses boîtes de biscuits, là. Oui, c'est ça, exactement. Il y en a des carrés, il y en a des rectangulaires, tout ça. Puis là, après ça, moi, ça me coûte de jeter ça. Je trouve qu'on peut donner une deuxième vie. Là, c'est sûr que j'ai l'image de Noël dessus, mais je pourrais, avant d'emballer, recouvrir encore d'un tissu, le coller dessus pour enlever notre image, tu sais, de Noël. Oui. Mais peut-être que je le donnerais quand même à Noël. Fait que là, ce que je vais faire, je vais aller, c'est sûr et certain, aller mettre de nos produits, de nos bons... les bonnes recettes qu'on a faites. Fait que, excusez les mains. Hein? Quand on met nos biscuits qu'on choisit dedans, les brownies,
Choco-père. Là, on va pouvoir en manger tantôt. Hein? Oui. Tiens. Bon. Ensuite, dans ma boîte. Ça pourrait être aussi, si vous faites des sucres à la crème, vous faites, tu sais, des petits desserts dans le temps des fêtes, là, on en fait souvent, là. Des petites bouchées. Des petites bouchées, puis tout ça. Fait que, là, puis là, on veut les apporter, tu sais, chez un ami ou quoi que ce soit, bien, en l'emballant en baluchon comme ça, ça s'apporte bien aussi. Bien souvent oui. Dans nos bagages aussi, tu sais, on a souvent des gros cadeaux, puis ça, puis on part, on s'en va chez grand-maman, puis tout ça. Mais des emballages en tissu, là, c'est formidable. Bien, ça prend pas de place, ça brise pas. Aussi, hein? C'est vrai, hein? Mm. Puis c'est tellement beau, je trouve que c'est original. Oui. Fait que pour faire le baluchon, bon, je reviens faire. Là, je vais étendre. C'est sûr que j'ai pas beaucoup, beaucoup d'espace. Fait que je vais tasser ça un petit peu ici, comme ça. Tiens. Donc là, j'avais aussi coupé déjà mon tissu. Ça, je vais le mettre là. Fait que ce qu'on fait, mon tissu est coupé. Voyons, on voit que c'est carré. Excusez, madame. Pas de problème. Fait que là, je vais prendre ça. Des deux extrémités que vous voyez là, je vais faire des nœuds dedans. OK. Fait que je tourne comme ça ici. Je vais faire un nœud. Même chose de l'autre côté. Je ne sais pas si on voit bien. Je fais juste tourner. Je fais un nœud. Et voilà. Jusqu'à maintenant, c'est assez simple. Oui, c'est assez simple. Hein? C'est ça que ça donne. Regardez. Comme ça. Ensuite, là, je vais mettre ma boîte dedans, dans le plein centre. Là. Je regarde mon centre là, en étirant bien mon tissu. Ça ici. Comme ça. Ensuite, je vais faire encore un petit nœud avec les deux extrémités que j'ai faites tantôt, là, avec les deux nœuds que j'ai faites, je vais les attacher ensemble. Ça donne ça ici. Puis ensuite, là, je vais mettre mon tissu comme il faut pour cacher ma boîte. Là, tu sais, fait que là, je fais des petits plis, je les ramène en plein centre comme ça ici. Comme ça. Puis là, je vais aller attacher ici, comme ça. Et ensuite, regarde. Ça fait quasiment des petites oreilles de lapin. Hein? C'est vrai! C'est vrai qu'on pourrait. Je vais aller ici en haut, tout simplement faire une petite poignée. C'est pour ça qu'on fait un baluchon. Tu sais, dans le temps, on voyait ça là, dans les films, là, les vagabonds qui partaient, puis ils me faisaient avec une branche sur le dos, puis leur petit baluchon. Et voilà, ça que c'est fait. Et tiens, c'est pas plus long que ça. Puis on vient de récupérer un beau gros morceau de tissu. Ben oui, puis c'est ça, c'est vraiment original, je trouve. Puis tu sais, on voit vraiment pas nos choses, puis ça se garde bien. Là. Puis c'est réutilisable. Oui, en plein, on peut le réutiliser pour le donner au suivant encore. Fait qu'après ça, ben moi, ben je suis rendue à faire la déco. Tu vois comment ça va? Ah, ça va bien. Écoute, moi, je suis allée d'un petit motif floral. Moi, souvent, j'ai fait ça. J'avais pas d'étampe dans le temps, puis on prenait une patate. Oui. Puis, on coupait notre patate en deux, puis on la sculptait. On faisait un cœur dedans, ensuite un carré ou ce qu'on aimait faire. On sculptait dedans, puis là, on pouvait tremper soit dans de la peinture acrylique. Puis là, on allait faire les motifs qu'on voulait sur nos papiers. Ça aurait pu être un papier craft. Oui. On pourrait utiliser même un sac, les sacs d'épicerie craft, tu sais, de papier craft. Oui, oui, comme les, ça les ici. Sacs de papier. Ouais. Moi, j'en ai utilisé un petit ici, là. Oui. Alors là, maintenant, on serait prêt à emballer dans le tissu notre boîte. Merci. Fait qu'on va le revirer de bord, parce que là, moi, j'ai fait ça sur le côté qui va être sur On pourrait le montrer hein, ce que tu as fait, regarde. Ouais. Bon. Fait que là, on le vire complètement. Comme ça. Là. Ça ici. Là, avant de coller la fabrique en pot, là, tu vas te mesurer comme il faut, où tu veux. Parce qu'il faut voir absolument tout ton beau petit motif sur le dessus. C'est ça que c'est le but. Oui. Là, tu peux mettre un petit point de colle. Ouais. Si quelqu'un qui n'a pas de colle, il peut mettre aussi. Je le mettrai comme un petit peu ici, là.
sur la boîte? Oui. Tu peux mettre un ruban à coller, il n'y a pas de problème, là. Quelqu'un qui n'a pas ça, parce que des fois, à la maison, tu n'as pas tout. Fait que ça fait très bien aussi. Je l'ai essayé. Ensuite? Fait que là, tu vas faire tes pointes de chaque côté aussi. Comme tu ça? Vas aller ramener ça. Oui. Fait que pour faire la boucle, on met notre tissu comme ça. C'est comme un peu quand on fait un nœud de cravate. On vient virer comme ça ici. Fait on fait la même chose. On vient joindre de chaque côté, comme ça. Puis là, c'est comme un, ça fait comme un collet, hein? Moi, je trouve que ça fait comme ça. Fait que là, on prend en arrière, puis là, on vient le ramener en avant ici, comme ça. On vient joindre les trois parties ensemble. Mm-hmm. Puis là, on fait juste plisser un petit peu comme ça. Puis ensuite, on va prendre... Mettons, moi, je vais aller prendre la gare. Je vais prendre... Ça, ça m'inspire. Ces petits cocos-là. Mm-hmm. Cette chose à coco. Puis là, après ça, je vais aller tourner, tout simplement. Puis, je vais serrer ma boucle. Puis, ma boucle, elle va être prête à aller installer après. Bien. Super facile. Super! Ben oui! Fait que là, je vais aller l'insérer ici. Ça va mettre de la couleur à mon baluchon. Pendant qu'on souhaite joyeuse Pâques à tous, on oui, peut prendre un brownies. Oui! Mais Manon, on se sert. On se sert un bon brownies. On va goûter à choco ça. Pain. Merci beaucoup. Allez, puis moi, je vais me prendre un petit biscuit d'antan Smarties. Joyeuse Pâques, joyeuse mon ami. Pâques. Joyeuse Pâques à vous à ou vous autre aussi. Fête de votre choix. Merci d'avoir été là et on se retrouve bientôt pour un autre épisode de Bricolons à la maison avec Manon.